Allez, un nouveau petit coup en autonomie. Sans nourriture, c'est difficile. Accepter les privations corporelles. Oh, une tête de castor dans un arbre. Désolé, il y a un petit peu de vent. Donc la vallée du Rio Carancho, on la voit un peu en bas ici. Malheureusement, ma tente elle est cachée derrière là. Et puis là, comme ça, on a la vallée du Rio Guanaco. Et de l'autre côté, en fait, on a une belle petite vue sur l'île, sur la première vallée. Et sur le petit mont qu'on voit derrière, c'est le mont Miseria, avec les montagnes qu'on voit au fond, c'est l'Argentine. Là, c'est le canal de Beagle. Les îles derrière, on a je crois Lennox et j'ai oublié. Là dans le fond là-bas, on a le lago Navarino. Et là, on a la baie avec, dans le fond, en premier plan, les Wollaston et derrière, les îles du Cap Horn. Bon, ce qu'il y a, c'est que ça souffle un peu quand même ici. Allez, sixième jour, nous sommes le 27 décembre. Je vais me préparer mon petit feu, toujours avec la MacBar, donc un fire steel avec un bloc de magnésium pour aider à l'allumage. Là, je me crée deux petits supports, un tas d'herbes sèches, entre guillemets, et puis de la rognure de magnésium dispersée dessus, des brindilles de support dans ce sens-là, maintenant des petites brindilles dans ce sens-là, au-dessus de mon tas de magnésium, et je vais venir enflammer ici avec mon fire steel. Et voilà, c'est parti. Il me reste plus après qu'à mettre du un petit peu plus gros diamètre par dessus. Évidemment, tout mon bois est préparé avant l'allumage. J'ai ensuite d'autres bois qui se trouvent là et j'ai plus qu'à préparer mon maté. Alors, pour le maté, on a besoin de différentes choses, notamment donc le réceptacle qui peut être de différentes matières. Il a plus cette nuit. Voilà. Donc là, moi, c'est du bois. Bon, recouvert avec une couche d'aluminium, mais bon, ça c'est il y a pas mal de contenants différents. Il y en a qui sont directement en calebasse, il y en a qui sont en verre. Les Argentins sont complètement fous avec ça et vous pouvez trouver des nécessaires à maté qui coûtent dans les 1000 euros. Ensuite, ce qu'il faut, c'est une paille et bien sûr de l'herbe. Alors, le maté, en fait, c'est quoi? Le maté, c'est un arbuste de la famille du houx, donc qui s'appelle Ilex paraguariensis.
Et moi, ce que j'aime, c'est les matés qui sont pas purs, mais mélangés avec des herbes. On a 95 normalement pour cent de maté et 5% d'herbes. Tout un mélange de petites herbes aromatiques, hein, comme la coriandre, la mélisse, la verveine, etc. Donc suivant les mélanges, ici c'est un yerbas cuyanas. Je prends aussi des yerbas serenas. Donc c'est des mélanges qui sont différents, mais toujours un maté un peu mélangé. Donc on vient mettre dans notre récipient, qui s'appelle le récipient aussi s'appelle le maté. Donc on vient mettre notre herbe, et puis après, suivant les goûts, suivant si on a envie de le boire un peu fort, un peu moins fort, si c'est le matin, si c'est l'après-midi, le maté est quand même assez chargé en caféine, en théine, et j'en prends aussi certains avec du guarana. Donc c'est un peu énergisant, ça peut empêcher certains de dormir, comme des gens qui n'ont pas l'habitude de boire du café et qui prennent un café dans l'après-midi, par exemple. Donc on met entre la moitié et les trois quarts en fait d'herbe à l'intérieur, et on va venir ensuite mettre notre eau par-dessus. Il est conseillé de mettre la première eau assez faible en température, aux alentours de 40 degrés, pour pas cuire son maté. Et par contre, ensuite, on va mettre de l'eau qui est très chaude, qui va s'approcher de 80 degrés, mais surtout sans la bouillir, de même pour pas cuire le maté. Donc, une première eau tiède afin de mouiller notre herbe. Et maintenant, je passerai à de l'eau un peu plus chaude. En Argentine, au Paraguay, en Uruguay, dans le sud du Brésil, aux alentours de la province des Missions, et puis dans une moindre mesure dans d'autres pays d'Amérique latine, du cône sur qu'on appelle, comme le Chili, la Bolivie, et le Pérou. Donc la culture du maté est vraiment très forte et très présente. Bon, si ça peut être pris un peu plus à la légère par la jeune génération, essayez surtout pas de faire n'importe quoi quand on vous propose un maté avec les vieux de la vieille, avec les gauchos perdus au fin fond de la pampa. C'est-à-dire les gauchos, c'est des vachers, c'est la version sud-américaine des cowboys. Donc si jamais vous allez dans des coins reculés comme ça, qu'on vous propose un maté et que vous essayez de faire n'importe quoi avec des vieux de la vieille, ça va pas le faire, et ils vont vous remettre à votre place assez rapidement quand même. Il y a tout un tas de règles qu'il faut respecter. Bon, le maté, on aime ou on n'aime pas. Si vous goûtez un maté et que vous dites j'aime pas, les gens vont respecter ça. Par contre, à partir du moment où les gens savent que vous aimez le maté, déjà, premièrement, ça ne se fait pas de refuser un maté. Alors, il y a normalement deux façons de le boire, le maté. Le maté amargo, amer, comme je le bois moi, et la version dulce, c'est-à-dire avec du sucre dedans. Où systématiquement on va mettre un peu de sucre et on rajoute de l'eau par-dessus. Bon, la version sucrée, c'est pas du tout la version des gauchos. Les gauchos le boivent amer et très fort. Donc, si jamais vous aimez le maté et qu'on vous propose un maté mais qui n'est pas à votre goût, si vous l'aimez amer et qu'on vous le propose sucré par exemple, vous allez en boire un quand même. Et vous allez rendre le maté à la personne qui le prépare. Toujours, donc on donne le réceptacle systématiquement avec la paille vers la personne à qui on la donne. Sinon, c'est un manque de respect. Et donc ça se fait pas non plus. Quand on le boit aussi comme ça, il est de bon ton d'entendre à la fin, légèrement,
le petit bruit d'aspiration pour dire j'ai terminé le maté. On ne peut pas boire simplement la moitié de l'eau qu'il y a dedans. On boit systématiquement tout. Là, toute la calebasse est pleine d'herbe, il y a peu d'eau. On ne va pas boire juste un petit peu. Donc il faut entendre un petit peu le bruit de succion avant de le rendre. Le rendre donc à la personne qui prépare le maté avec la paille vers la personne. Et si vous n'en désirez plus, à ce moment-là, quand vous le rendez, vous dites merci. On ne remercie pour un maté qu'à partir du moment où on n'en veut plus. Si on en veut encore, on ne dit rien. On accepte le maté quand il vient et il n'y a que quand on va dire merci, je vais en prendre qu'un, il est sucré, normalement je le prends amer. Et là la personne comprend et comprend le fait que vous respectiez le maté, vous en avez pris un quand même s'il n'est pas à votre goût, mais vous avez respecté la tradition du maté. Donc systématiquement, on rajoute de l'eau sur les herbes et la personne qui prépare le maté va distribuer aux personnes environnantes. C'est quelque chose qui se partage avec la même paille. La paille, on ne la touche pas, on ne remue pas les herbes qu'il y a dedans. On vient juste boire au bout de la paille. Systématiquement, donc la personne qui prépare le maté distribue des personnes les plus importantes vers les personnes les moins importantes dans l'assemblée. Ça ne se fait pas quand il y a un abuelo, un ancêtre, de ne pas commencer par lui. Ou alors c'est un manque de respect flagrant qu'on veut faire paraître. Et ça, ça ne se fait pas. Autre petite chose qui ne se font pas, c'est de souffler sur son maté pour le refroidir. Ça ne se fait pas. Poser son maté devant soi et attendre alors que les autres attendent que le maté fasse le tour, ça ne se fait pas non plus. Allez, trêve de papotage. De toute façon, moi ici, je suis tout seul. Et puis on passe à autre chose. Alors, hier, il faisait beau dans l'après-midi, aujourd'hui, il fait beau aussi. Donc hier, je me suis dit, bah tiens, je vais suivre cette petite ligne de crête pour aller jusqu'au sommet qu'on voit là. Bon, ce qu'il y a, c'est que derrière ce sommet, il y a un autre sommet, il y a un autre sommet, il y a un autre sommet. Le but, c'était de voir la vallée, donc derrière cette petite crête, la vallée du Rio Guanaco qui fait comme ça et de voir derrière moi la vallée du Rio Carancho. Et me voilà donc qui part là-bas et donc qui découvre le sommet à chaque fois un petit peu plus loin jusqu'à enfin arriver tout en haut où la vue elle est quand même absolument magnifique. Vous avez dû le voir un petit peu avec beaucoup de vent, c'est sûr. Hier, il a fait du vent en fin d'après-midi, il a fait du vent aussi toute la nuit. Et en allant jusqu'en haut, eh ben, je me suis dit, tiens, le sommet, s'il n'a pas de nom, je le renommerai. Et je le nommerai comment? Eh ben, peut-être le sommet de l'anneau, puisque j'ai trouvé, donc ça, c'est un petit anneau en pierre. Alors, bah, le précieux, le pas précieux, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Bah, je me vois toujours. A priori, ça change rien. A priori, c'est pas le précieux parce qu'il se passe rien. Moi, je vois toujours pareil autour. Et puis, ben, moi, je me vois en tout cas. Allez, ben, je vais enlever ça. J'ai la tête qui tourne un petit peu quand même. Je sais pas pourquoi là. Allez.
Bon, donc je verrai si ce sommet, je le renomme, enfin je l'appelle, il y a beaucoup d'endroits sur l'île qui n'ont pas de nom. Je verrai bien si je le nomme donc le sommet de l'anneau ou alors le sommet rouge, parce que toutes les pierres en haut sont rouges, c'est assez joli. Donc ben, au total, pour aller jusqu'au sommet là-bas, c'est en distance à vol d'oiseau 1 km 160. Ce qui n'est pas énorme, énorme. Par contre, en élévation, ici, je suis à 500 et des broutilles. Au sommet là-bas, j'étais à un peu plus de 900 mètres. Je vous laisse calculer le dénivelé si vous en avez envie. Bon, cette semaine, je manque pas de nourriture. Je me nourris de beaucoup de viande, mais seulement de la viande. Et en fait, en faisant des gros efforts comme ça, parce que ça représente quand même un gros effort, ben on sent vraiment que je suis en manque de sucre. Alors, ben c'est sûr que comparé à la semaine d'avant où j'avais des baies et les champignons, les citerias qui m'apportaient du sucre, là, cette semaine, j'ai que dalle. Je vais vous faire voir un petit peu la version des calafatés ici. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et puis voilà la taille des calafatés. Alors oui, il y a quelques fleurs dessus, mais déjà il n'y en a pas beaucoup. Et puis ils font 20 cm de haut. Donc les pauvres petits, bon, c'est pas quatre fleurs qui vont m'apporter grand-chose. Donc je vais les laisser comme ça et puis je vais manger un petit peu plus de castor. Ça, le castor, ça va, j'en manque pas. Donc, le problème quand même, c'est que c'est bah, le problème quand même, c'est le manque de sucre. Hein. Oui, alors bon, bah, de toute façon, je vais aller en ville dans pas longtemps. Demain soir, donc le samedi soir, ça va être la fête au village. C'est l'anniversaire de l'hostal de la copine. Elle m'a demandé d'y aller. Si j'y vais pas, elle va faire de la gueule. Donc, je me rattraperai demain et puis les quelques jours d'après, le temps de charger les vidéos avec mon internet tout pourri ici. Et puis, bah, je me ferai une petite cure de gâteaux, des petites galettes au beurre, du chocolat. Je vais me faire un petit thé à la menthe façon marocain quand même. Tiens, ça me fait vraiment envie. La menthe sauvage, je vais me faire un petit thé vert à la menthe façon Maroc. Petit feu du matin du 7e jour. Nous sommes le 28 décembre. Donc, comme je ne vais plus avoir besoin de mon système de fumoir pour l'instant, bah, je vais brûler tout ça. Je vais laisser juste mon emplacement de feu, puisque de toute façon, je reviendrai sur ce lieu pour aller nettoyer une vallée qui est plus loin et puis celle-là qui est pas finie non plus. Et c'est un petit campement qui est assez sympa ici. Alors, pour ceux qui se demandent à quoi ça sert d'avoir un gros couteau, eh ben, par exemple, ça sert à ça. Hier, j'ai ouvert un sentier entre la vallée du Rio Carancho et l'autre vallée qui se trouve de l'autre côté, donc la vallée du Rio Guanaco. Et là, bon, il m'a fallu un peu de temps. J'ai bossé pendant environ 2-3 heures. Mais j'ai donc ouvert un sentier comme ça qui traverse tout ce bois. Alors, regardez à quoi ça ressemble avant. C'est comme ça. Regardez de l'autre côté aussi. Ah, c'est ça. Et là, j'ai tracé un sentier. Alors, c'est vrai qu'un gros couteau comme ça a son poids. Mais un gros couteau, ça peut faire tout ce qu'un petit couteau peut faire. Avec plus ou moins d'aisance, c'est vrai, mais l'inverse n'est pas vrai. Un petit couteau ne peut pas faire ce qu'un gros couteau peut faire. Bon, j'espère que cette petite semaine en autonomie avec le Kabar Beker BK2 vous aura plu. Et puis, ben, en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!